Welcome to NCL Tours. We offer flights to worldwide destinations. We provide holiday packages, hotels and transportation. We run luxury coach trips to European destinations across France, Germany, Switzerland and many more. To book a holiday to any destinations around the world, please visit our website on www.nCLtours.co.uk or why not give us a call to speak to one of our travel experts on 0208 900 1624. NCL Tours, Atoll Protected. Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Je suis une femme entrepreneuse et je suis ingénieure en électronique industrielle. Je suis la première Congolaise à gagner le prix d'innovation technologique au Congo. Avec mon équipe, ça nous a fait une bonne fierté, mais aussi c'est une fierté pour tout le pays, pour tous les Congolais et les Congolaises. Aujourd'hui, la sécurité routière devient quand même un enjeu de la santé publique. Alors, étant donné que nous sommes un groupe de réflexion, Women's Technology, une association dont je suis la présidente, on a dit pourquoi pas réaliser quelque chose pour sécuriser d'abord. Nous avons organisé une foire que j'ai appelée les inventions de chez nous. Moi, j'avais remarqué un jeune garçon qui s'appelle Deba, qui avait fait deux planchers, c'est-à-dire deux madriers, qui faisaient déjà le mouvement, c'est-à-dire c'était déjà un système de robots. Et j'ai remarqué aussi un jeune garçon venu de Beaumont. Il a exposé juste un jouet de véhicule. Alors j'ai pris les idées de la personne là comme concepteur du robot et j'ai pris l'idée de les designers là des jouets de véhicule. J'ai mis tout le monde ensemble et voilà, on a eu notre premier prototype, le robot. Jusqu'à présent, il est encore opérationnel. Je vais vous faire visiter notre laboratoire. Ça, c'est un robot qui est en fabrication. C'est un robot qui est déjà commandé pour la ville de Kinshasa. C'est un système de monitoring. Ça doit fonctionner avec le fonctionnement automatique ou soit avec une commande. Ce robot doit beaucoup aider le piéton à traverser avec beaucoup d'inquiétude. Respecter le robot, ça nous permet de traverser librement. On circule quand même bien avec la présence du robot. Quand l'homme est là, il y a des tracasseries, mais avec le robot, ça. Tous nos robots sont intelligents. Depuis qu'on a commencé le robot, voilà pourquoi on l'appelle robot roulage intelligent. L'intelligence, parce qu'on lui a doté le système de contrôle dans le système automation programmable. Aujourd'hui, le robot est sollicité en Angola, le robot est sollicité à Brazzaville, le robot est sollicité à Abidjan, au Nigeria aussi. On a beaucoup de pourparlers comme ça, il y a d'autres pays, même au niveau international. Voilà pourquoi nous sommes fiers que ce soit Made in Congo et que ce soit la toute première, un robot humanoïde qui est en train de faire tout ce qui est la sécurité routière dans un carrefour. Je suis né au Congo, je suis parti il y a 17 ans en Belgique jusqu'il y a quelques années pour mon retour définitif au pays. Je suis devenu cuisinier par hasard. En fait. J'ai commencé à travailler en cuisine comme plongeur
Et puis petit à petit, j'ai vu que j'avais la main en fait. J'ai raté jamais mes recettes alors que j'avais aucune notion de la cuisine. Une fois, je me rappelle quand j'ai fait une recette, le chef n'était pas là et donc il y a un client qui a mangé, il a demandé de voir les chefs. Et puis on lui a dit que les chefs n'étaient pas là, mais c'est son plongeur qui a fait. À partir de ce moment-là, le patron qui travaille avec moi, il m'a dit, écoute, il faut que tu fasses la cuisine. En avril 2006, j'ai ouvert le premier restaurant qui s'appelait Ressources à cette époque-là à Bruxelles. J'étais le meilleur jeune chef de Benelux par le guide Goemio. Je définis ma cuisine comme la modernité d'une cuisine des traditions. En fait. D'abord une tradition française et puis elle a aussi une base traditionnelle africaine. Contrairement à ce que la majorité des gens qui sont partis en Europe, j'ai toujours voulu rentrer au pays. C'est parmi les jeunes qui ont compris que ce pays offre des opportunités énormes pour ceux qui savent travailler. Et puis lui-même, c'est quelqu'un de très sympathique, de très ouvert, de très accueillant. Et donc, nous sommes chez nous quand nous venons ici. Ici, on est à Bandal, un des quartiers populaires de Kinshasa. Donc ici, c'est Ressources Bandal. C'est un projet de culture urbaine. Donc, il y a un côté où on fait la nourriture populaire, un peu des grillades. Là-bas, il y a un restaurant avec la cuisine un peu plus élaborée. Et puis, il y a d'autres personnes qui boivent de l'extérieur ici. 1, 2, 3, 4. Ma cuisine trouve son inspiration dans les produits. Il était impératif pour moi que je trouve un endroit où je vais chercher ces produits. C'est ainsi qu'il y a quelques temps, j'ai trouvé Kitoko Food, où je trouve toute la base de ma cuisine, donc les produits de la terre. Quel bonheur de se retrouver ici. On est dans l'âme de notre métier. En fait, la base de notre métier, c'est ici. Et là, on a les plus belles tomates qu'on peut trouver dans notre pays. C'est tout le soleil du Congo qui est là-dedans, comme ça. À partir du moment où vous avez un produit comme ça, le reste de la cuisine, ça suit. Si on pouvait faire partir la majorité des Africains en Europe pour voir qu'est-ce que c'est, peut-être qu'on aurait plus de gens qui auront plus confiance en eux parce qu'ils vont voir que c'est pas. Ils ont tout dans nos pays. En fait. C'est un peu triste que les gens pensent qu'il faut partir pour réussir. On est jamais mieux que ce soit. Et surtout en Afrique, ouais. Bonjour à tous, il a été combattu pour ses idées, il a été menacé pour sa vision. C'est avec un grand plaisir, na programme Alelo, que nous allons recevoir un homme de l'Église, un homme de Dieu, la personne, il y a Pasteur Bienvenue Messalin, émission spéciale, il va nous parler un peu de sa prise de vue politique, qu'est-ce qui l'a motivé à changer de côté. Dans le passé, mais aujourd'hui, il a un peu changé de côté. Alors, passez bienvenue, Messalin, bonjour encore et bonjour donc, les grands journalistes de Coco Harris. Comme je l'ai annoncé, donc, avec toi aujourd'hui, tu débattre, tu dialoguer, tu fous un peu à porte, quoi, là où c'est exactement un peu fermé, pour en savoir un peu plus de la personne de passer bienvenue, Messalin. Tout le monde connaît que vous allez passer bienvenue, Messalin. Bon, ma première question, vraiment, c'était de savoir qu'est-ce qui vous a poussé, Yakoko Malelo, pour supporter le gouvernement en place aujourd'hui dans Congo. En tant que passeur, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, moni, Eza, et là, on y a aussi un malam, Eza Castellan, poussé par le Saint-Esprit. Et puis,
tant que nous avons une vision, nous avons bien et nous avons aussi porté. Au moins, tout le temps, nous avons une image qui a été créée. Notre pays ne peut émerger en se dispensant des efforts sur le plan des infrastructures. Depuis une dizaine d'années, nous affectons une part importante de nos ressources aux études, à la construction et à la rénovation de routes, de chemins de fer, de ponts. Des aéroports, de BAC et d'autres infrastructures et équipements de transport. Le projet de réunification de provinces et l'unification de la nation par la voie routière et un réseau de transport multimodal avance conformément aux prévisions. RDC, un pays à nouveau debout. Soyons ensemble. L'émergence de la RDC est en cours.
Soyons ensemble. L'émergence de la RDC est en cours. Welcome back in Welcome TV. C'est le passeur bienvenu Messalin. Tous allez live hour na MATV 793. Numéro OESAN, c'est si vous voulez nous texter. Bah, point de vue Nabino, en tout cas, ou bien question Nabino, je ne manquerai pas de vous poser un mot par le passeur Messalin hour. C'est juste pour texter et non pour appeler. Revenons un peu à nos moutons, passeur bienvenu Messalin. Reportage Oyoto, Tibotala Nasiko, Namouni. Vraiment que Congo dans le reportage de l'hôtel Yona qui Banzela au Salama tout le monde est barrage d'inga tout le monde va comme fier d'être congolais tout le monde Yona babilo Corolla basoso bangulu tout le monde va passer va parler va mortgage tout le monde léopard animal emblème ya Congo tout le monde puis besoin applaudir les chefs de l'État tout le monde babus yasika donc yango Yona c'est ce qui vous a poussé à changer de côté ou bien comment. Bon, au moins, Bablo, monsieur, il y a le balo baming et tenabi, au moins, Bablo, tout le monde y en a. Tout vanda na kin. Et ça, la maté. On se comprend. N'a pas besoin d'exemple, et ba nanyo, ba nini. Bandako, à part dans le bandako. Ba bi wana o na lingala bangombe, voilà. Bangombe, tout le monde na kin, wana bangombe, bazana santé, de bangombe, vanda na mikili. Bangombe na wana nakata kini. Ouais. Bangombe bazana santé undire bazana mikili. Isala mate na kisasa kala bangombe babanoza bangombe bakunda bangombe ndinge na ndinge bon daipen ezungi. Bazala pe mingi te siko bakomi ikomi bele bilanga daipen ezungi modernisation de la révolution na ndinga osaranate maramweza neti na poto menakin banzela ezobunga parce que moni chine lelo soke bunga ezapo na bilanga. Ouais. Soko chef de l'état na vision ya bilanga. À Salibilanga, à la Bungsi Banzela. C'est quoi à partir de Bilangawana, tout le temps, on a la province, on a facilement. La capitale. Donc, ils ont attendu. Donc, Moussala, ils ont salamé. C'est quoi ils ont salamé. Mouton, Moussala, on a habité. C'est quoi ce qui sait que ils ont canis à Ndengenini. Mouta sala Ndengenini. Pour Makambu, ils ont salamé. Chaque jour, Moussala, ils ont salamé. Nous sommes des Kinois, tu vas à Kin, tu botamis à Kin, tu colis à Kin, tu es Bikin Ndengenzala. Banzeleza ramabulu tang bazo bungsa il faut qu'on dit matang ba osala musala il faut qu'on dit. Et puis ce qui est très important biso na poto to ye bagate ke balinga chef de l'état ndeto kanisa na poto oui balinga ka ite na malgeli to ye bagate ke bat balinga ka ye ouais hein c'est que bon ba ka sa ke balinga ka ite OK to mon na ba image ande bat ba bete la rema boko donc na kinto za na 75 millions de population
Mais dans ce qui est vrai, dans 75 millions de population, plus de 70 millions de population sont à Pouye. Et puis, nous avons tous les gens qui ont été mutés, qui ont été président local, qui ont été. Mais si vous avez apporté des informations, voilà pourquoi ça dit qu'il faut promouvoir le bloc pour battre le monde. Le monde qui non, na kin quand même tous en présent au azalate tous en mutu au nzamba poni a tiene sikane puis a osa la musala au mutu na sala na ite donc la côté agriculture et élevage donc pour le moment tout monde abondance mabilo que zali y a trop na Congo c'est ce que oui oui abondance ça oui oui ça abondance ça pina makasi est-ce que le peuple kinois actuellement peuple normal ou azana kinois on est-ce que na salaire au bazoka est suffisant pour na bango balé la sauce ou bien balé la nyama na zepselo mongo est suffisant na zala mama mongo ba komelanga mingi na Facebook comme na e ungala la mama wana azaka fonctionnaire à l'état na ta mobutu abana écoute ko futa bango te sa après ba 3 mois ba futa ka bango te mama wana selo ndinga zolo ba ye ko takana ba discussion ka nezakana alors ça, na tant mon bout, c'est 3-4 mois à foutre à Bangote. Mais c'est quoi, ça a fonctionnaire à l'État, na tant y a chef de l'État, na biso chaque mois dans un salaire naé, allié à bien, à côté ça va aller na classe, donc à son barabilo on est bien, fonctionnaire à l'État, donc tout le monde, au moins les barabilo qu'on a bâti tout au foot, baso te quand on a pris assez, voilà, Masangu, oh dia Banika, hein, y a Mukangalozo, bah on te quand on a pris assez, donc babilo on va salon, ils ont encore des charités, mais charités des enfants dans la libella, donc bah on te babilo on a pris assez, donc mouta kusote que ils en a pris assez, mais n'engue ça n'anguana, ah on a porté bah bazar sous informé, y a on a kin mouta soit on a porté ah wa tant que kin, azo vanda bien, azo lingapi go préfet kozonga y a on moni que l'ambassade bah tunda goza visa pour nous akina kisasa parce que kisasa ils ont comment l'ango bien, ils ont changé, mais les premiers actes c'est que biso ah on a porté bato baboka bangunda bazolinga te makamona to lobango parce que l'insu mon fils en yoka et au sala ki baba bibsa et bibsa bangunda na bango mais zo mona to za suna niveau na te to ken le break to zonga why miss your family and friends call NDL landline and mobile numbers for just 1 pence per minute with our saver rates. To activate, text SAVE to 2525. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile with every top-up. Terms and conditions apply. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. After the sellout concert with Arijit Singh, Star Plus presents Close to My Heart with the one and only Sonu Nigam. Live in concert with top musician and symphony orchestra on the 1st of November at the SSE Arena, Wembley. Close to My Heart. Welcome back and welcome TV, Chanel Nabiso. En tout cas, tout ça est live avec le passeur et bienvenue, mes salaires. Mais avant tout, dans le programme Nabiso, un petit communiqué à annoncer dans la communauté Nabiso. Et ça, c'est un email. Pour le 13 novembre 2015 Oyo na Wembley pour un meeting ya premier ministre indien. En tout cas ce que je qui email wana il faut ozongi ça retour pour na ba accepter yo ce que j'ai email wana en tout cas ce que na Wembley le 13 novembre ba ko sortir parce que ma place est vraiment trop mouké quoi. Donc ce que j'ai email wana linga ozongi ça réponse pour na ba répondre yo et puis numéro de texte ça na c'est wana c'est juste pour texter. Vous avez la question, vous avez la suggestion, en tout cas, envoie-nous. Donc, vous manquez de retour à passer à la studio d'Abisso. Alors, là, tu peux passer un message. Passeur, bienvenue, mes salaires. Tu vas parler un peu sur Mme Toumouni, l'accession. Alors, donc, Mme Toumouni, ça prouve que le Congo est allé en voie de développement ou bien commis développé. Donc, ils ont en voie de développement. Donc, tu vois le bâtiment que tu as commis développé. Toujours qu'il est sur les pas de la révolution de la modernisation. Okay. Donc, toujours qu'il est sur le développement. On a dit que c'est un toujours qu'il est, toujours qu'il est. Parce que l'émergence 2030, et Ngola Sani, Tina 2030,
Congo est comme à développé. Moutard, mais mes gens sont aux hommes, nous sommes tous les présidents de la Bissau. Ok. Quand on parle des émergents 2030, ce sont des contrats déjà signés. Tu n'as 2030, il y a un projet bongo, ti mbuka na biso comme développer na 2030. Ti tant ti 2050, on a déjà comme un il y a en charge. Bon, n'importe la vérité, voilà, c'est ça. Ok, là, tu as continué. En tout cas, au Bikéle, tu as dit le 31 octobre. C'est la fête, il y a Halloween, les Alli. En tout cas, c'est pour juste se rappeler dans la population de Bissau que Halloween, les Alli, la fête, il y a des démonté. Dans la camarade de mon télévision, Halloween, les fêtes, il y a des démons. Non, c'est pas fête, il y a des démons. Halloween, les fêtes de l'horreur. Fête, où est Salaka, au Bang et Samoutou. Alors, si on Bang Samoutou, au Bimila Moutou, on a un masque à bébé, ou bien on a un masque à. C'est fête de l'horreur. Le 1er avril, c'est la fête, il y a poisson d'avril. Fête, poisson d'avril, c'est quoi? C'est blagué. Donc, jamais, tu vois, c'est une blague. Donc, c'est comme le 31 novembre, octobre, c'est fête, il y a Halloween. C'est pas les fêtes des démons. En Angleterre, c'est pas célébrer la fête des démons. C'est juste la fête de l'horreur. Fête de l'horreur. Parce que bienvenue, Salé. Tout à l'heure, il y a Internet, Francis Kalombo, a dit qu'il y a un porte-parole du gouvernement. Monsieur la maire Mende, qui est un menteur, n'importe quoi. Alors, hier, il y a un gouvernement, comment il peut se comporter de cette façon-là, à la maire Mende. Ok, avant, la personne a répondu. Membre moka y a cadre moka y a PPRD à Tindelengaï concernant le monsieur là Oyotangiwana frère Nabiso Hollande ma foutu à partir Hollande hein? Okay. Donc la justice n'est pas là pour être gentil à ces idiots utiles. Francis Kalombo est son maître hein? Idiot mais baza utile. L'idiot utile ou un traître sous couvert de Moïse Katumbe, j'avais un doute wana yé. Hollande Mafuta, il avait un doute. Désormais, les masques tombent. On comprend mieux son alliance avec les ennemis de la République démocratique du Congo. Ouais. Après 9 mois de silence, Francis Kalombo, à la fois fossoyeur et idiot utile, confirme son implication directe dans les événements malheureux qui ont coûté la vie de nos compatriotes innocents le 19 mois de janvier. Ah, c'est quoi? Paris, 19 octobre 2015, la politique. Écoutez ce que Francis Kalombo a dit. Francis Kalombo, en exil en France, vient de plaider coupable d'avoir organisé les événements malheureux du mois de janvier dernier qui ont coûté la mort de nos compatriotes innocents. Il attendait le départ de Moïse Katumbi pour se prononcer. Moïse Katumbi avait financé ces événements malheureux qui avaient entraîné la mort de nos compatriotes et le pillage des magasins chinois et autres, selon les informations qui circulent au mois de janvier dernier. Francis Kalombo, député élu de la ville-province de Kinshasa, membre de la mouvance présidentielle de Joseph Kabila, a quitté son pays en janvier dernier après une semaine de manifestations et une coupure d'Internet décidée par les pouvoirs pour limiter la mobilisation de la rue contre un projet de modification d'une loi qui aurait permis de reporter la présidentielle de 2016. Il s'est réfugié au siège de la MONUSCO, estimant que sa sécurité était menacée avant de partir pour l'Ouganda, puis la France, Francis Kalombo. Organisateur. Francis Kalombo, ça la valine. Mais bah, on doit organiser bah comme on a pour na alukabas bah falsifier ma comme na tangi awa pour na et puis sa population kanda bah tu bah koufa après avoir au salam ma comme on a c'est selon yé azo kanisake.